côté. Dans le foyer, le mari à sa place. Dans le foyer, l'épouse à sa place. Dans le foyer, les enfants ont leur place. Il doit tout d'abord y avoir premièrement du respect. On ne peut pas vivre dans un foyer où l'on ne se respecte pas l'un l'autre. Beaucoup d'épouses aujourd'hui ressentent que leur mari les néglige. Voyez, beaucoup d'épouses se sentent comme dévalorisées, non reconnues, comme quasiment inférieures. Voyez, beaucoup d'épouses, eh bien, sentent que on pourrait fonctionner sans elles, qu'on n'a pas besoin d'elles. Voyez, alors que le foyer est un lieu où l'on doit partager. C'est un lieu où l'on doit partager nos expériences, nos échecs, nos réussites, nos pleurs, nos rires, voyez, lorsqu'ils arrivent. Certaines épouses ont déclaré « Mon mari ne me parle jamais. Mon mari ne dit rien. Il ne me dit rien. Mon mari ne me respecte pas. Il ne me demande jamais aucun conseil. » Voyez. Évidemment, on sait que cela ne va pas dans la bonne direction. Il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà dit « Papa, papa ne prend pas soin de nous. Il ne prend pas soin de nous, il n'aime pas venir à la maison. Il ne veut pas nous voir. » Ça, c'est terrible. Ça, c'est...